Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un peu plus en détail mon nouveau compagnon. Je l'ai acheté car des sorties comme à Bouillon, c'était beaucoup trop physique pour un musculaire. Je terminais complètement cuit et j'appréciais même plus les descentes. Je remercie aussi Peach de chez Megafun House pour ma petite veste ici qui est bien chaude. Et si tu cherches un BMX, un skate ou un snow pour l'hiver, c'est le magasin qu'il faut. Ils vendent même vêtements pour la route, pour le VTT. Je vous mets le lien de la boutique juste ici en description. Donc alors, celui-là. C'est un Focus Sam au carré 6.9. Moteur Bosch génération 4, 85 Nm. Et une batterie de 625. Pour démarrer le moteur, c'est tout simple, il est très silencieux. Il suffit d'introduire la clé et de tourner et il démarre. La fourche, c'est une Fox 38, 170 mm de débattement. L'amortisseur, c'est un Fox Van Air à ressort pour bien rebondir. Avec un groupe XT12 vitesses. Le cintre, c'est un Raceface Chester 35, 780 mm de long, avec des freins Shimano XT 4 pistons. Pour essayer de ralentir, mais bon, pas fort utile. Avec passage des gaines intégrées dans la potence. Tige de selle télescopique. Pour les roues, moyeu Novatec, jantes Raceface AR30 et des pneus Schwalbe Magic Marie en 2.6. Pour un poids total de 26 kg, ça va être chaud à emmener en manual, ça. Mais il est beau. Je me change et je vous emmène faire un petit tour dans les singles tout près de chez moi. Je l'ai déjà testé à Spa la semaine passée, la vidéo sortira semaine prochaine. Désolé, je vais faire une présentation avant. En tout cas, il monte aussi bien qu'il descend, il est hyper stable. Comme mon clash que je garde bien sûr. Tenez, je vous montre un petit extrait de Spa, il y a eu des belles chutes. Oh. Hop. Désolé, Geoffrey, j'étais obligé. Bon, je me change et je vous emmène. Oh, quel bonheur ce moteur pour les relances. Enfin pouvoir rentrer sans être fatigué. Même éclairé, vous savez voir ma vitesse instantanément.
Bon, je sais pas encore sauter avec. J'aurais pas mais... Et voilà comment on dégoûte les gens. Il y a un étang. Allez, mon vélo était plus ou moins propre. Passe ou pas? Bon, quitte à être mouillé, tant pis. Oh putain, c'est fou. Oh putain. Ah, j'ai pied mouillé. Non, j'en ai marre de laver mon vélo. Et voilà, on rentre à la maison. J'espère que la présentation vous a plu. Si vous voulez, mettez un commentaire et un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup. Bon, je vais nettoyer le vélo maintenant.